Ah voilà. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Incubation, merci beaucoup Nash pour le resub, c'est très gentil. 9 mois d'incubation. Salut Wistriker, comment ça va? Hello, hello tout le monde. Comment vous allez tous? Alors, avant de commencer à continuer l'aventure. Qui c'est qui a lancé du coup parce que tous les streams de la semaine ont été dingues. Ah bon, tellement Ganon. Merci beaucoup Ganon pour le resub. Et oui, désolé, mais c'était un peu compliqué après le marathon de reprendre. Donc voilà, mais ça y est, je suis de retour. Et merci beaucoup Ganon. Bah écoute, ça va bien. On repart sur Zelda. Alors pourquoi ça a mis autant de temps? Non pas parce que j'avais pas envie de le streamer, au contraire, mais parce que j'ai fait une bêtise et que j'ai perdu ma sauvegarde. Du coup, Nash a refait l'histoire et jusqu'à arriver où j'en étais. Alors le petit problème, c'est que voilà, il y a plus de cœur, mais bon, c'est pas pour autant que j'aurais pas trop perdu sur la game. En fait, je viens de commencer, donc j'ai vu que j'étais au village de base, j'ai eu peur au début. Donc je suis revenu au village Cocorico, donc on va reprendre là où j'étais arrêté. Ça, faut demander à Nash, je sais pas. Donc voilà, donc du coup, on va continuer l'aventure, les amis. Nous allons essayer de finir ce jeu. Masque, Sculata d'or, ok. Ok. Ouais, t'as fait des trucs que j'avais pas fait. Ça se voit. Donc nous allons reprendre, les amis. Là où j'en étais, sauf que j'ai plus de... Là, le haricot, je sais pas ce que c'est, ce truc-là, d'ailleurs. Du coup, il y a des trucs que je ne sais absolument pas à quoi ça sert, mais bon. Ça va être drôle. Donc on vous passe en full. Il a quoi lui? Salut Jean-Mi. C'est pas pareil. Les gens me dégoûtent, mes parents me dégoûtent, ta petite tête me dégoûte. Ah oh bah t'as un gentil toi. Salut Snapper Snake! Écoute, ça va bien et toi? On va arriver ici. Donc voilà, on va continuer, on va aller dans le puits du coup, c'était là où je m'étais arrêté. Ok, c'est parti. Donc si je me trompe pas, il en reste 4 à faire. Rappelle des touches. Normalement, je peux pas lui envoyer un. Ça. Ah bah non, c'est quand t'es grand que t'as ça.
Avec quoi je vais la tuer? Ouais, merci vous Striker, je sais que ça vous fait plaisir. Moi, il va me falloir un temps d'adaptation par contre. Donc le début, ça va être un peu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ouais, faut attendre qu'elle se retourne. Battu Micheline, file-moi les noix. Qu'est-ce qu'elle veut, Navi? On aura ton WhatsApp. Ouais, alors Navi, elle veut me dire un truc. Le stick jaune en haut. Ok. Le stick jaune. Je suis sûr que j'ai le stick jaune, j'ai appuyé vers le haut, y'a rien qui s'est passé. Je te fous de ma tronche. Bah non, c'est pas vers le haut. Vers le haut, ça fait un zoom. Ou pas, voilà, bah super. Et maintenant, je fais comment maintenant? Ah, je sais plus ce qu'elle veut. Ah voilà. La vie. Fallait cibler d'abord. J'entends les esprits murmurer dans cette pièce. Cherche l'œil de vérité. Il est où l'œil de vérité? T'es pas monté là-dessus? De vérité, j'en sais rien, où est ton œil de vérité? Ouais, elle me dit qu'il faut que je cherche l'œil de vérité. Alors, c'est un tas de pixels, y a pas d'œil. Salut MVP Arise, comment ça va? J'en sais rien, elle m'emmerde avec le squelette. L'œil de vérité. Y'a autre chose à voir là-dessus? Mais non, le puits, il est pas gros le puits, hein. C'était Zelda, merci d'avoir regardé, à bientôt. Oui, je sais, elle est sur demande, donc il faut sûrement que j'utilise l'Ocarina of Time. Mais où l'œil de vérité? Faut que je trouve l'Ocarina, mais... Ocarina, vas-y, allez, vas-y. Chante ta berceuse. T'es nul. J'ai mis pause. On va mettre pause. Elles sont mes berceuses. Mes berceuses, elles sont où? La lumière. C'est un être de l'eau, de feu et de bois.
Salut Delixou, bah écoute, ça va, on est en train de reprendre Zelda, tu vois, faut que je chante le bon truc. Tac, 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 tac. Haut droite, gauche, haut. En même temps, celui de l'eau, on peut pas faire. Celui de l'eau, on en parle, celui de l'eau? Voilà, sauvegarde en cours. Ça, moi, je serai tranquille. Je sais déjà plus ce que c'est. Attends, faut que je chante, c'est sûr qu'il y a une berceuse à faire. Il y a une berceuse à faire, maintenant laquelle? Non, mais je m'en fous de celui de l'ombre. Déjà, il faut que je fasse ça là, déjà. Donc, haut droite, gauche, haut. Ok. Haut droite, gauche, haut. Oui, la voix 9 3 quarts, oui. Voilà, faut que je rentre dans le trou. C'est nul. C'est un trou. Ah, voilà. Allez, maintenant on va éclater tous les trucs. Filez-moi des sous. Attends, c'est de l'eau qui a. Okay. Alors déjà, il va falloir trouver. Il y a Voldemort dans le coin, j'entends ses ailes. J'ai rien compris. Prends garde à l'ombre des monstres qui apparaît au plafond. Ok, je sais. Vous m'avez pas vu? Salut. Oh merde. J'ai donc tué. Ah super. La caméra, je la trouve pas ouf. Mais non, mais t'es sérieux, Jean-Mi, mais t'es nul. Oh, qu'il est mignon. Mais arrête de me parler, Navi. Tiens, dans le cul. Tiens, tu pote le foin. Viens, casse-toi! C'est moche! Ah oui, t'as le problème. Bon, les noix, j'en avais pas trop besoin. Ah, y'a un truc là. Là, je peux remonter par là, je suppose. Allez hop! Ok. Donc, du coup, ça peut faire venir où tout ça? Bon, faut que je trouve le. L'œil de la vérité, il est où?
j'entends les esprits murmurer de cette pièce. Cherche l'œil de la vérité, Vodok, c'est comme tout à l'heure. Voilà. Du coup, je suis revenu au début. Amuse-toi bien pour ce mini donjon. Ouais, mini. Je sens que je vais devoir bien m'emmerder. Non mais attends, je suis retombé. Pourquoi tu veux rentrer dedans là? Mais on s'en fout, il me fait pas peur. The Mask. Ah bah merci. Ah merci, maintenant. Oh, Craig. Mais t'es sérieux là? Allons-y. Par contre, j'ai pas compris si je suis tombé dans le trou. Dans quel trou je suis tombé? Je n'en sais absolument foutre rien. Qui découvre les effrois, hein, c'est ça. Mais enfin, je les connaissais déjà, mais je les avais pas. Attends. Oh, coucou toi! Oh, qu'il est mignon! Tiens! T'es moche. Alors, attends, il y a eu un trou là. Cette statue inonde le sol, non, c'est vrai? Oh. Ah, je retombe dans le même trou. Putain, j'en ai marre. Je suis sûr, il y a un chant à faire. Par rapport à la statue. Allez, tiens! Bon, j'en ai. Je sens que je vais souvent retomber ici. Hein. Je pense qu'en face de la statue, il y a un champ à faire. Ha ha ha!
y a une dalle, donc il y a sûrement, il faut sûrement faire un... Non mais je l'ai vu la dalle. Mais sauf que le truc là que j'ai en face de moi, il y a un... Il y a un message. Il y a une dalle. Donc si je prends l'ocarina... Mais c'est pas ça que je voulais faire. Il faut vraiment que je m'y remette sur Zelda. Je vais mettre un peu de temps à reprendre des trucs. Ah, faut que je retire ça aussi. Lui tout, il est passé. On a fait ce qu'il fallait. Je dirais que c'est le truc du soleil. Droite, bas, haut. Si, je vais le faire ce que j'étais en train de dire. J'ai complètement zappé de le faire. Vu que j'ai pas streamé depuis, c'est pour ça. J'ai pas fait gaffe. Attends, tac. Normalement, ça devrait être bon. Alors, attends. On a du soleil. Bas, droite, bas, haut, droite, bas, haut. C'était pas ça. Du coup, on va faire. J'ai du mal avec la nouvelle manette, hein. J'ai pas l'habitude. Il reste quoi? Voulez-moi que ça soit la berceuse de Zelda? Gauche haut, droite, gauche haut, droite. Okay. Ok. Sérieux ça? Bien que je tombe avec eux. Super. Thank you.
assez loin. Voilà. T'es moche. Donc les visages au mur doivent servir à quelque chose, mais je sais pas quoi. Les visages au mur là, il doit y avoir un truc par rapport à ça. Faut que je découvre ce que c'est. Ce mur, il me parle. Danger en dessous. Ok. Bah, ça veut dire qu'il y a un trou. On est par là. Faut une clé. Oh mais non, mais j'ai la caméra là aussi, bordel. Ah la caméra. Ça c'est la caméra. Est-ce que du coup d'avoir fait tomber l'eau, est-ce que ça me permet d'aller en dessous quoi? Je crois que j'ai pas vu d'autres trucs. Ouais, bien sûr. Il est pas beau. T'es pas beau, Jean-Mi. T'es moche, Jean-Mi. Ah, mon chat, cul.
Il est où Michel? Il est parti Michel? Allez, rentre chez ta mère! T'es moche! T'es moche! On peut pas les taper les mecs là comme ça. Hein. Si on peut faire ça. Allez hop, t'es mort! Un coffre? Vous voyez quoi? Le monocle de vérité. Certains éléments sont dissimulés un peu partout. Assurez-vous de l'utiliser en dehors du puits. Portez le monocle. L'aspira de la magie. Merci Nash. Par où je pars maintenant? Par la chaise. Quoi là? Ah, il y a un coffre, je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas cramé le coffre. Super bombe. C'est ici. Il y en a d'autres trucs. Ah tu m'énerves. Ouais c'est bon. Donc là faut faire gaffe. Ça reste quoi après? Il y a un truc ici mais c'est vide. C'est un trou là. Ok. Le monocle de vérité assigne-le. D'accord. Alors pour la signer, là, encore après. Je sens que je vais m'éclater pour la signer. Alors attends. Voilà. Cœur de vie. Non, non. Ah.
Non mais tape-le, on s'en fout. Vas-y, éclate-le. Mais arrête d'avoir peur. Mais pourquoi il a peur? Voilà, du coup, voilà. Il est froid, je l'éclate, moi. Il fait salade tomate-oignon, elle est froide. Pourquoi je sens qu'il faut allumer les... Alors, attends. Je sens qu'il faut que je prenne le truc. Mon épée aussi va les paralyser. Il est où le truc du feu, là? C'est celui-là, je crois. Feu de daim. Voilà. Ok, ça c'est pas très grave. Ça a ouvert un truc. Mais apparemment ça a ouvert autre chose. Là je vais avoir d'autres méchants. J'ai pas compris là. Et voilà, j'ai dans le cul. Je vais me faire pomper jusqu'à la moelle. Récupère la clé, Jean-Mi. Oh là là. Vas-y là toi, tiens, prends ton sang. Tiens, les froids, tiens, j'ai pas peur de toi. D'où Micheline? Oh Micheline! Je crois qu'il y a un cœur là-dedans. Tant de poésie. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Pourquoi lui il est fermé? Ah oui, parce que j'ai pas ouvert. C'est quoi qui sort de là-dedans? Il y avait rien dedans. Ok, cool. Non, j'ai tout fait, j'ai tout récupéré, on peut s'en aller. J'ai un peu de mal sur toi ta caméra en fait. Oh la boussole, cool.
C'est la boussole. J'ai pas encore la carte. Et voilà. Et voilà, et là. Ah bon. Bon, moi j'ai la boussole. Mais j'aimerais bien voir la carte pour connaître le. Pour voir les accès. Ça avance, ça avance. Hein. Petit à petit. Ouais, il manque la carte, c'est un peu dommage. Parce que moi, je vois des trucs, mais je sais pas comment y aller. C'est juste qu'en fait, là, faut que je me refamiliarise avec la. Déjà me refamiliariser avec le jeu surtout, mais la manette, parce que je jouais pas avec cette manette là avant. Là-bas il y a un trou. Ah, mais il semble y avoir. Ah, je suis tombé. Il va y avoir un trésor ici pourtant. Du coup, il y a Godefroy de Montmirail juste en face. Putain, en fait, il y a un truc. Qui est planqué, ok. Sauf que. Ah là, je peux ouvrir la porte. J'ai une clé, voilà. Salut Micheline. Eh, hey, on se calme. On se calme. Y'a quoi là-dedans? Y'a une tarentule. Une tarentule. Donc il faut que je prenne un autre truc. On va prendre autre que ça. C'est du ballon. Une tarentule. Voilà. Tantin cruel, je fais comment pour la récupérer maintenant? Yes. Une Skulltula d'or. C'était juste pour en choper ça là. Pour choper le bâton de joie. Ok.
c'est ouvert le truc, ouais. Alors après. Ok, là je vois, il y a un truc. Je suis où? Ok, il m'a ramené au début. J'avais oublié ces conneries. Ok. Ok. C'est par là. Non, c'est par là-bas. Il y a un truc là. Là il y a un trou, là il y a un trou magique. Prends garde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond. Ouais, t'inquiète. Oui. J'ai vu qu'il y avait un autre truc en face. Ok, elle est là. C'est Jean-Mi. Je comprends pas trop là ce qui est attendu. Mojo. Ok, là il me reste quoi à faire du coup? Ouais, j'ai récupéré la dent Mojo. Là il me faut une clé que je vais récupérer je sais pas où. À récupérer mais je sais pas quoi, je le vois pas. C'est là-dedans que j'ai fait le truc. Voilà, truc de... Alors est-ce qu'il y aura des trous ici? Une salle cachée peut-être. Ah non, pas ça. Ah mais casse-toi.
Ah merde. Casse-toi. T'as pas une autre salle ici. Vraiment j'ai fait tout. J'ai vraiment tout fait ici. Secoue-moi la tasse. Là, il y a. Ok, là, il y a lui. Donc en dessous, là, comment on fait déjà pour nettoyer ces trucs-là? Parce que je suis sûr que sous ce tas de trucs, il y a un machin. Alors, est-ce que ça serait pas. Salut Xenoblage, bienvenue. C'est une porte, hein. Bienvenue à toi. Tu ne m'as pas eu, Francis. Quel rocher, y a pas de rocher. Bah alors Xenoblade, en fait je galère parce que c'est une découverte pour moi Zelda Ocarina of Time. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Y a un truc qui est fondu, tu me parles de quoi? Tu me dis qu'il y a un truc de fondu. Pour moi, c'est une totale découverte. Ah, c'est celui-là, tu parles. Ah oui, effectivement, il est fendu. J'avais même pas cramé qu'il était fendu. Il y a un truc bizarre, là, qui me regarde bizarrement. Ok. J'avais même pas... Yes. Voilà, est-ce que c'est la carte? S'il te plaît, dis-moi que c'est la carte. C'est trop petit pour être la carte. Donc voilà, enfin, en tout cas, bienvenue à toi. Des missiles. Il y a des missiles dans Zelda? Je savais pas que Zelda c'était Call of. Ok, donc on a des missiles. Cool. Ouais, d'habitude ce que j'allais dire, le coffre est plus gros. Pour remonter, ça doit être par ici. Ouais. Tu n'y as jamais joué? Bah écoute, installe-toi, y a pas de problème. Viens galérer avec moi, puis si vraiment tu as jamais joué, si tu vois que je galère, que t'as des petits, pense à des trucs, n'hésite pas. Donc, ouais, je sais que ça fait bizarre de dire quelqu'un comme moi qui a joué à beaucoup de jeux, qui joue sur beaucoup de plateformes et tout, de dire j'ai jamais fait un Zelda. Ça peut paraître un peu hallucinant, mais effectivement, à l'époque de la N64, j'avais la PlayStation. Donc, j'ai jamais fait ça. Attends, il y a un trou là. Ouais, mais ça se trouve, c'est pas. Oh, cool! Oh, bah, mais en fait, c'est ok, bah, il y a rien. Il y a pas un coffre là? Ok, il y a l'air d'avoir un coffre de l'autre côté. Donc, ouais. Donc, ça, c'est un jeu qui m'est imposé par ma communauté, hein. Xenoblage, toi qui arrive, sache que voilà, sur ma chaîne, en fait, généralement, avec les points de chaîne, alors il en faut 60 000 quand même, mais avec les points de chaîne, les gens de la... Bah vas-y, il est hyper loin ici. Ce sont les gens de ma commu qui me peuvent m'imposer des jeux. Donc voilà. Il m'a... Attends, il y a un coffre à aller chercher. Où le coffre à aller chercher? Il doit être par là.
Ok, je fais comment pour péter ça? Ah bah y'a un autre zombie. Reste de dos, vas-y, comme ça tu vas pas me pétrifier. Voilà. Meurs zombie. Ah c'est peut-être là la carte, c'est un gros. Lave là la carte. Depuis le temps que j'aurais pu la trouver. Cool, j'ai la carte. Les pièces en bleu sont celles déjà visitées. La position actuelle est une pièce clignotante. Oui, oui, bah je sais. Cool. Ah, je suis content. J'ai la carte et déjà ça, ça va m'aider beaucoup plus. Bon, la boussole c'est pas mal aussi, mais la carte... D'ailleurs, la boussole m'a aidé à trouver la carte. C'est vrai que d'avoir les deux, c'est tout de suite plus simple pour s'orienter. De mal à comprendre où c'est que je dois récupérer les... Ah ok, ça va être là-dedans, ok. J'ai compris. Ah, apparemment... Ouais, il y a celui-là, mais je peux pas y aller. Comment j'atteins cette salle, en fait? Parce qu'on est d'accord que par là, c'est un cul-de-sac. Pas de conneries. Pas de conneries, c'est un cul de... Ah, il me faut une clé, en fait, pour y aller. Que j'ai pas. Et à mon avis, elle me donne la possibilité d'aller de l'autre côté. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc ça, je sais que par là, il me faudra. Ah, mais non, je suis tombé quelque chose. Un peu de mal avec la caméra. Tiens, maintenant. On va essayer de récupérer des cœurs parce que j'en ai perdu pas mal. Ah merde. Crève Michel. Donc je pense qu'il y a encore des coffres que j'ai pas ouverts dans la salle de la salle fantôme du milieu. Il doit m'en rester deux. Salut pigeon qui vole, comment ça va? Bienvenue. Attends, là il y en a une autre là pour moi. J'ai un coffre. Bah écoute, ça va, on continue. Je reprends Zelda là après avoir fait une pause. Donc voilà, Zelda Ocarina of Time que je découvre. Les amis. Bah si, pourtant je l'ai ouvert, pourquoi il me dit que je l'ai pas ouvert? En aurait-il un autre dans une autre salle? Voilà, tiens, c'est un jeu qui a été imposé. Donc on essaye de le... on avance dedans. J'avoue là que je suis un peu paumé. Donc là il y a l'air d'avoir un trou. Là aussi il y a un trou. Ah, il est éventré, c'est ça que j'avais pas vu. Ok, cool. C'est éventré, on va faire ça. Voilà, hop. Vous obtenez une noix mojo. Il y en a des noix mojo.
Ok, on a un autre déjà de régler. Voudrait-il dire donc que ça se trouve, si je dois ouvrir, il faut éclater encore avec des bombes. C'est peut-être ça. C'est le puits. C'est le puits. Je suis dans le puits. Je suis dans le puits. Alors, apparemment, c'est par ici. Mais je vois pas, je vois un trou là. Ok. Pourtant, je l'ai ouvert. Est-ce qu'il y aurait une chambre cachée ici? Je pense pas. Donc, il y en a une autre par là. C'est chelou. Hein. C'est où, perso, je suis bloqué dans le ventre du gros poisson. Ah, c'est bien après, bien après. Bah, si tu veux, tu peux aller voir les rediffs sur la chaîne YouTube, parce que je pense qu'elles seront plus disponibles sur ma chaîne, sur le truc. Mais si tu veux, pour le... C'est Jabu Jabu ? T'en es où ? T'as retrouvé la princesse ou pas ? Ok, bah écoute, alors moi ça remonte, hein. T'es bloqué où, en fait ? T'arrives pas à ressortir ? T'arrives pas à aller à retrouver la... À arriver au niveau du... Au niveau du... Comment il s'appelle, là, le boss. Ouais, ouais, pour le boss, ouais, faut aller faire le boss pour sortir. T'as la carte, t'as tout ça. Bah, écoute, moi, si vraiment t'es perdu, t'as besoin d'aide, tu peux retrouver la rediff sur ma chaîne YouTube, si tu veux. Y a pas de pub, y a rien. Tu regardes un petit peu, et Jabu, ça doit être dans les premières. Si vraiment t'arrives pas, si tu veux... Parce que je sais pas trop où tu en es, mais je sais que j'avais pas mal galéré, moi, à ressortir du ventre. Surtout à atteindre le niveau du boss pour pouvoir sortir. Parce que moi, après, comme c'est la première fois que je le fais le jeu, je suis pas hyper calé dessus. Je t'avoue. Je t'avoue que je suis pas super calé dans... Et puis en plus, ça fait quelques temps que j'ai arrêté. Là, je suis en train de reprendre pour le finir. Donc je me rappelle plus de tout. Mais sur la chaîne YouTube, tu dois avoir les replays, donc au pire ça peut te dépatouiller. N'hésite pas. Mais t'es qui, toi? Ah, mais je crois que j'étais déjà venu ici, en fait. Je me passe. Putain, il manque des... J'ai déjà buté le boss. Bah après, pour ressortir, il faut remonter au niveau de la... Faut remonter au niveau de la bouche, de l'entrée. Y a pas un truc avec le feu, Nash, pour qu'il ouvre la gueule? Comme dans Pinocchio. Non, c'est pas là. Non. Là, je vois pas trop. Ça. Donc alors attends, il me reste comme un à aller chercher, je sais pas où. Ah voilà, salut Blood. Ouais, franchement, je m'en rappelle plus, mais voilà, bon, tu vois, t'as des spécialistes comme Nash qui l'a recommencé je sais pas combien de fois. Puis il y en a d'autres aussi. Comment va Blood? Comment je fais pour aller... Ah oui, attends. Je suis là-dedans. Donc là, il y aurait... Attends, il y a peut-être ça là, si c'est dans le nouveau truc, ça, hein. Mais non, je suis déjà tombé là, mais je suis couillon, je l'ai déjà fait. On a quand un cheval dans le jeu? Peu de temps après, en fait, faut aller dans la... T'as l'écurie au milieu, qui est au milieu de la map dans le truc d'Hyrule. Et en fait, c'est quand tu grandis, faut que t'apprennes le... Faut que t'ailles voir la petite fille. T'apprends le chant des Pona et après c'est quand tu grandis que t'as le cheval.
T'inquiète pas, ça vient vite. Hein. Et en tout cas, bienvenue dans cette aventure, je la découvre aussi. Hein. Bah, je t'en prie, pigeon qui vole, si ça peut t'aider, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour. Voilà. Bon, là-bas, je les ai mis pour les gens qui ont raté les lives et qui veulent voir les... qui veulent voir les rediffs ou découvrir la chaîne pour voir ce que je fais. Mais si ça peut aider accessoirement, tant mieux. Hein. Mais je le regarde pas, je regarde le mur. Casse-toi, Michel. Quand tu deviens adulte après 17 ans, je sais pas si ça. Ouais, faut que j'arrête, moi, je consomme trop de trucs. Là, je suis petit parce que j'ai dû retourner dans le passé, mais. T'as 7 ans quand t'es petit et t'en as 17 quand t'es grand. Alors attends, où c'est qu'ils sont ces trucs là du coup, je suis un peu perdu. Est-ce que je peux mettre une bombe là-dedans? Est-ce que ça va péter? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont entrer dans la salle cachée là? Casse-toi! Ouais, mais alors je fais comment pour rejoindre la... Attends, est-ce que celui-là n'est pas éventré? Ah oui, c'est le truc des machins. Okay, ouais, mais là j'ai pris la squelettasse. Trouver de deuxième clé, ça me, c'est ça qui m'embête un peu, parce que je suis sûr que c'est dans les trésors que j'ai pas chopé. Vous pensez qu'ici y a rien. En fait, c'est quoi le truc avec les sorcières dans une grotte? Ah, c'est les fées. C'est pas les sorcières, c'est les fées. C'est les fées. Elles te donnent. Elles te donnent des. Les fées, elles te donnent des pouvoirs en fait. Et la chose, tiens! Sauf que là... Je suis un peu paumé là, bordel. Je sais pas où aller. Hein. Il me manque trois trucs. Bon, il y en a un, je peux pas parce qu'il y a... Il y a une grille. Ah!
t'es mort. Attends, il me faut la... Ah, mais il passera pas, là, le truc. Il passera pas au travers. Comment j'ouvre cette porte, moi? Pas des trous sur le côté. Comment on ouvre la porte? Il y a une porte, là, sur le côté, en fait. Ok. Elle provient d'où, cette porte? Si ça se trouve, faut peut-être... Mais devant les portraits, j'ai déjà été. Il dit juste qu'il y a un trou en dessous. Le monocle. Il y a un trou. Il n'y a pas un truc pour faire remonter l'eau? Peut-être que ça fait autre chose aussi, non? Au-dessus. Oui, avec le monocle, il n'y a rien. Il n'y a rien à chaque monocle. Il y avait un trou là. Ouais, bah je sais qu'il y avait un trou, je l'ai bien vu. Sauf que là, je suis un peu bloqué. Ouais, avec les roquettes, bah je suppose qu'ils te filent pas les roquettes pour le décor, hein, mais... Roquettes et monocles. Ah, ça se trouve, c'est ceux que je vois pas qui sont au-dessus. Ça se trouve, c'est ça, en fait. C'est pas infini, je suppose. Non, j'en ai 10. Un truc éventré là. Hein.
Là, je suis un peu paumé. Là, j'avoue que... Ah non, pas ça. Bah, voilà. Je suis resté trop attentiste en haut. Donc, je vais ressortir. Ah, quel couille. Je savais qu'il fallait pas que je reste là. C'est l'inverse, t'as fait, je vois. Ok, on va aller là. Et là, il y a Jean Micheline. À faire sûrement avec les roquettes, mais quoi, j'ai pas l'impression que les roquettes elles soient super faciles à manier. J'ai pas des roquettes infinies. C'est parti où la roquette? Pourquoi j'ai un jeu au-dessus? L'autre qui a dit en dessous et l'autre qui a dit au-dessus. Ah là là. Je vais tuer le boss, normalement je pense que j'ai fini, mais ce qui m'embête c'est qu'il me manque des. Est-ce qu'il faudrait pas que je refasse un coup de flotte là? Parce qu'en gros je me demande si j'ai pas fini le donjon. Parce que vu que j'ai récupéré le monocle. Bah ouais, donc du coup, pourquoi je continuerais vu que j'ai récupéré le monocle? Vous en pensez quoi? Il me fallait le monocle.
Ah ouais, ça sert à rien de continuer en fait, parce que j'ai déjà récupéré le... J'ai battu le boss. Putain, je suis en train de tourner en rond pour rien quoi depuis tout à l'heure. Après, c'est sûr, je le fais pas à 100%, mais est-ce que franchement, le but c'était de récupérer le monocle, donc on va dire. Autant aller, aller au truc du temps, quoi. Retourner, devenir adulte et aller faire. Et aller au cimetière. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon c'est des bugs, enfin non, non je peux pas, ça va pas être un bug parce que je peux pas faire. Donc, oh y'a squelette, oh y'a elle encore. Ça, je... Allez casse-toi Monique. Au revoir Monique. Ouais, je suis content, j'ai fait un donjon. Faut que je retourne au truc du temps maintenant. Faut que je retourne au château d'Hyrule. Pour redevenir adulte. Des cœurs que je voulais. Mais... Quelqu'un peut-il nous renseigner sur les autres sages? J'ai pas le temps, faut que j'aille. T'aurais pu me le dire avant, Nash, hein, parce que je tournais en rond. Après, j'avoue. J'avais l'item du truc, j'aurais pu continuer. Mais... C'était vraiment un petit donjon vite fait, hein, celui-ci. Et puis j'avoue que le boss du donjon... il était pas très dur. Chassez-vous, bande de moches. Ah si, je dois. Attends, je dois faire une berceuse normalement. C'est laquelle? Pour aller directement devant le truc du.
C'est quelle chanson là? Il y a une chanson qui doit m'emmener directement au... devant le donjon. Nocturne de l'ombre. Tu ne l'as pas apprise, la nocturne de l'ombre? Normalement, on l'a déjà apprise, non? Je pensais que je l'avais déjà, moi, celle-là. Ah, peut-être que toi, tu l'as pas apprise. Bon, on retourne à pied, alors. On retourne à pied, c'est pas grave. Nocturne de l'ombre, je suis quasiment sûr de l'avoir appris. Ouais, le cimetière, ouais, mais je pensais, moi j'avais... Ok. Moi je me souviens de l'avoir apprise. C'est pour ça, normalement j'avais juste à la chanter, j'aurais été direct téléporté dessus. Si j'étais à jouer. Bah, c'est pas très grave, hein, tu me diras. Ah bah oui, parce qu'on revoit la cinématique, donc je suis pas venu, bon, okay. C'est lui qui te l'apprend, je crois, en plus. Oh, il arrive. La bête est libérée. C'est pas faux. Est parti céder le temple de l'ombre, mais elle sera en danger si personne. Link, Impa est l'une des six sages. Va détruire le boss de l'ombre, tout. Ok. La seule chose est mon pouvoir est de t'apprendre la mélodie trouvant le passage vers le temple de l'ombre. Cette terre te plongera dans les ténèbres abyssales en du temps et de l'espace. Un temps la nocturne de l'ombre. Voilà. Thank you.
C'est là, là? Alors, attends. J'étais déjà venu ici, moi. Je pense pas que ce soit ici, en fait. Je pense pas que ce soit ce trou-là qu'il faut aller. Y a pas un truc, faut aller voir Jean-Mille Fossoyeur, là? La cabane du fossoyeur, elle est où, elle est là. Vous trouverez le journal du fossoyeur. Désirez-vous le lire? Toi, le petit curieux qui dit ce journal vient dans ma tombe, elle peut-être auras-tu droit à mon précieux trésor. Je t'attends, Igor. Alors attends, ce qu'on va faire au lieu de la rechercher normalement, si je fais ça, droite, A, gauche, droite, bas. Gauche, droite, droite, A, gauche, droite, bas. Gauche, droite, bas. Gauche, droite, droite, A. Ah, j'ai trouvé le bouton. Tu cherches où aller? Ouais, normalement, je dois aller au... Pas de conneries. Non, j'ai oublié. Bah, je sais pas, il dit de retourner au cimetière. Je devais pas faire le tombe de l'ombre. Du coup, il est où le temple du désert? Attends, je peux voir la carte ou pas? La carte du monde. Carte du monde. J'ai quoi là? Pourtant, c'est le truc. Pourtant, quand je regarde la carte, c'est bien le village Cocorico où je dois aller.
qui clignote. Je comprends pas pourquoi tu me dis, du coup, tu me parles du temps du désert. Un peu de mal à comprendre, là. Ouais, mais normalement, après, tu fais le temple de Londres, non? Tu vas au cimetière, parce qu'il fallait le truc pour aller dessus. Donc en fait faut que j'aille au temple du désert, du désert. Alors allons-y. C'est où le temple du désert par contre? Parce que je ne sais absolument pas où c'est. Pourquoi le chemin du temple? Allons-y. Parce que moi le truc de l'ombre justement je pense que c'est par rapport à... Salut KG, comment ça va? Vallée Garrido, allez c'est parti, on y va. On y va. Ça va, écoute, je viens de finir le... J'ai fait le puits, le temple du puits qui était vite fait à faire. Et là, maintenant, je voulais aller faire le temple de l'ombre, mais là, je me dis qu'il faut faire le temple du désert d'abord. Il faut aller au village Gerudo, je ne sais même plus où c'est. Par où faut passer pour aller au... Par où je dois passer pour aller chez eux? Je me rappelle plus. Oh, un coup de barre en plus. Village Gerudo, c'est pas par le village Cocorico normalement? Pas marqué là dessus, je me rappelle plus moi de la map. Attends, on va voir. Forteresse, village Gerudo, ok. Ok, vallée Gerudo, le Foget en face, ok. Je viens de voir, dans deux jours ça fera un an d'abo. Ah eh oui Dan, ça passe vite hein. Ça passe très vite. Ah mais elle aime pas bah. Bah tu vas avoir le dernier badge. Je vois s'il n'y en a pas des nouveaux qui vont être débloqués grâce au 1 an. Cannabis, qui retrouve pour ce. Ouais, je sais. Vallée Gerudo. Thank you.
Vers l'infini et au-delà. Du cannabis. Du cannabis. Forteresse du rideau. What the fuck? Et maintenant? Et maintenant j'ai dans le cul. On est bien, on est vachement bien accueillis dans ce village. Quoi? Mais vas-y, mais je les éclate, moi. Non, mais là, vous n'êtes pas gentil. Ouais. Un coup d'épée dans ta tronche. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là, encore? Est-ce que c'est des femmes en plus? C'est des copines de Ganon. Elles sont moches en tout cas. Je cours pas. Oh mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est moche. Hein. C'est nul. Je vais mettre 20 ans à sortir de là-dedans. Moi. On va leur mettre dans la tronche là au jasmine là. Alors comment je peux pas courir? Oh là 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 là. L'autre il a une grosse épée, il peut les fendre en deux et non il fait son gosse quoi. Comment je fais pour en sauter là-dessus? T'es sérieux, Jean-Mi, là? Mais quoi? Easy. D'accord, et maintenant? J'ai 4 chefs Gerudo à battre et j'attrape où? Moi je l'ai pas moi.
Et descends. D'accord, et je les tue où? Tomber dans un trou. Sans en tuer une seule. Parler de forteresse. J'aime pas les trucs où tu dois être en mode pas touche. En mode tu sais, infiltration, tout ça, j'aime pas ces jeux-là. J'aime bien c'est défourailler tout le monde, quoi. Elles sont des flochettes tranquillisantes. Arc d'effet, super grappin. Mais quelle... Alors, les flèches quoi? C'est pas les flèches tranquillisantes que j'ai. On va sauvegarder comme ça, moi je suis là. Déjà, je suis prêt. Mais t'es sérieuse là? Je suis caché derrière un truc et tu me vois. Ah, monsieur. Voilà. Tiens. Tiens. Voilà. Ah, on fait moins les folles maintenant, hein. C'est tout ce qu'il y a? Les pauvres, non, moi je... C'est elle, elle me séquestre. Elle me séquestre, donc voilà, elles ont le droit là.
Et toi, petit gars, regarde par là dans la cellule. Ouais, t'es très fort. Tous les autres ouvriers sont fermés dans les forteresses. Fais-nous tous sortir de ce traquenard et nous te rendrons un grand service. Sois prudent, des gardes Gerudo rendent dans les couloirs. T'es moche! D'accord. Ok, donc c'est one shot, quoi. Quoi, elle est encore vivante, elle? Je l'ai pas... Okay. Comment je peux tuer Jean-Micheline? Attends, je vais voir si elle aime. Je vais voir si elle aime le feu, Jean-Micheline. Ouais, j'ai bien cru comprendre, ouais. J'ai bien cru comprendre qu'il fallait que je recommence tout. Salut Micheline! Tiens, mange! Yes! Mange! Alors? Ah, on se casse, hein? Micheline! Cool. Ah, tu dabs? Tu es venu pour me sauver, alors ça, c'est trop chou. Je suis Hiro l'ouvrier. Tous vendre leur club de filles, mais elles nous ont enfermés, tout ça parce que nous sommes des mâles. Au diable, ces jolies filles Gerudo, elles sont trop dures. Trois de mes compagnons sont aussi enfermés, peux-tu les sauver? Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de porte par là, j'en ai. Ah, il y a une sculettasse! Une sculettasse blonde. Ah non, c'est quoi cette là? Ah, je crois que c'est des mains. Ah. Alors. Ok. Pff, on va aller trop vite.
Voilà. Non, elle est où? Oh, je l'ai pas vu l'autre. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Bah écoutez, ça fait 2 heures de live. Ok, je crois qu'il va falloir que je fasse des die and retry là-dessus. Je vous propose. Il est quelle heure? Ouais, 16h30. Je vous propose de. Alors ce soir, il n'y aura pas de live parce que. Que j'ai des choses de prévues. En tout cas, voilà, au moins je suis content. J'espère que ça vous a fait plaisir. On repart sur Zelda, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je voulais repartir. J'ai pas pu parce que j'avais pas ma sauvegarde. On continuera sûrement demain. Je vais essayer de me lever tôt demain pour essayer de vous proposer de continuer. Et en tout cas, voilà, c'était un petit stream, mais je voulais parce que j'avais pas streamé depuis le. Depuis le marathon de 12 heures. Donc c'est chose faite. Donc je vous dis moi à demain. Je vous envoie chez l'ami Muka. Et on continuera Zelda demain. Voilà, en tout cas ça me fait plaisir de reprendre. J'ai réussi à faire un mini donjon. Et on continue celui-ci. Donc on continuera ça demain tranquillement. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir et je vous dis donc à demain pour la suite de Zelda. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et on vous envoie chez Monsieur Muka Multigaming qui est toujours, comme à son habitude, sur du Forza pour pas changer. Hop, hop. Des bisous tout le monde et à demain. Ah, il a pas aimé. Effectivement, si je laisse les crochets, ça va pas aller. Et là, tout de suite, j'exporte la vidéo pour ceux qui veulent revoir la rediff plus tard. Voilà, ce sera sur YouTube. Ciao, ciao tout le monde. À demain.